Coucou tout le monde, alors pour réaliser ces petits tutos bijoux de cheveux pour Halloween, alors on aura besoin premièrement d'un pistolet à colle avec des bâtonnets bien sûr. On aura besoin de quelques formes du style chauve-souris, araignée, voilà, des petites fleurs noires. On aura aussi besoin d'un petit paquet de plumes noires. On aura besoin bien sûr de petites barrettes crocodiles que j'ai trouvées sur Cdiscount et peut-être des pinces à cheveux comme ceci. Voilà, donc je vous laisse tout de suite. Alors voilà, je prends mon pistolet à colle, ma pince crocodile et une petite fleur noire et je viens appliquer un petit peu de colle comme ceci. Voilà, et je viens y positionner la fleur dessus. Ensuite, je prends ma barrette, je viens mettre de la colle juste sur un côté pour y coller une plume noire. Je viens mettre de l'autre côté pour recoller la deuxième plume noire. Voilà. Et au milieu, voilà, je viens juste un petit peu découper la tige qui dépasse. Donc je viens mettre un point de colle au milieu pour coller la fleur. Et cette barrette, elle a son charme, vraiment, j'adore. Je prends ensuite mon araignée, je mets un point de colle sur une barrette crocodile à nouveau, puis je la colle. Donc vous avez assez compris le principe je pense, barrette ou pince croco, quelques objets à coller et puis c'est parti. Là voici ma chauve-souris, voilà, et puis encore une petite araignée vraiment très fine. Et là, je reprends une barrette, je viens de nouveau coller deux plumes sur les extrémités. Et au milieu, une grosse araignée. Donc voilà, j'ai fait cette fleur-là. J'ai fait cette barrette là, comme ceci, avec les deux plumes et la fleur au milieu, ça fait effet ange noir. J'ai fait la pince araignée. J'ai fait la pince avec la petite chauve-souris sur l'extrémité. J'ai fait une pince avec la petite araignée aussi. Et puis on vient de terminer celle-ci avec les plumes sur les extrémités et l'araignée au milieu. C'est super joli. Voilà, donc je vous laisse avec des photos, on verra mieux. Voilà, donc j'espère que ces petits tutos vous auront fait plaisir et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Gros bisous, ciao !